C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Olivier Marlex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron a prévenu qu'il voulait s'attaquer à la réforme des retraites qui pourrait être votée avant la fin de l'année. Arrive aussi le budget 2023 discuté à l'Assemblée a l'automne, est-ce que les républicains seront les alliés d'Emmanuel Macron Et Sur le fond de la réforme des, des retraites, euh, on n'a pas de vraies difficultés parce que la réforme proposée, c'est globalement celle que nous avons mise sur la table quand en, de, en 2018, le président de la République avait inventé une réforme euh, assez incompréhensible, à laquelle d'ailleurs il a, il, a, il a dû renoncer. Euh, une fois qu'on a dit ça, une réforme des retraites, ça suppose quand même, parce que ça chamboule la vie de, 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 de beaucoup de nos... Patriotes, ça suppose quand même un minimum de, de, de concertation avec euh, euh, les organisations syndicales, notamment parce que voilà, il y a plein de, de paramètres qui qui, qui, qui bougent. Il euh, y a la question des carrières longues, il y a la question de la carrière des, des, des femmes qui, vous savez, des années euh, oui. euh, validées mais cotisées à, à un peu mmh. dé dévalorisées. Il y a il euh, la question de l'âge de, de l'âge final à partir duquel vous pouvez euh, avoir droit à votre retraite à taux plein, même si vous n'avez pas tout, euh, tout, tout, tout votre trimestres. Tout ça, ça doit faire partie quand même d'une discussion à un moment donné. Et donc, euh, il ne paraît quand même pas envisageable que le Président de la République passe totalement outre toute concertation mmh. avec euh, les partenaires sociaux. Mais on a l'impression que ça fait longtemps qu'il discute. Non, mais il a discuté et... d'une réforme il y, a, il, y a, il, y a, il y a trois ans. Il avait confié ça à M. Delevoix, vous vous en oui, se, vous souvenez peut-être, qui est parti, qui est disparu avec sa réforme, euh, qui était un système invraisemblable. Il, il a dû ouais, lui-même... Mais là, sur le nouveau projet, qui est, qui est un projet qui... Avec une idée d'un recul de, de la limite d'âge à 64 ans, 65 ans, on ne sait pas exactement ce qu'est la feuille de route du vous, gouvernement. Vous, idéalement, ce serait quoi pour vous si on veut, le, le, pour pas perdre de vue ce qui est le but ultime d'une réforme de retraite, c'est pas une réforme idéologique, n'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour faire plaisir aux marché financiers qu'on doit faire une réforme des retraites, c'est pour revaloriser euh, durablement les retraites dans, dans, dans notre pays. Aujourd'hui, le système il est déficitaire, sur, il est tout, tout juste à l'équilibre cette année, mais enfin mmh. euh, structurellement plutôt déficitaire. Donc, si on veut être capable de de, de, de revaloriser les retraites durablement, il faut faire cette réforme de retraite. Moi, je pense qu'il faut se contenter d'un 64 ans dans un premier temps, en y allant de 3 mois par trois mois par année. Euh, voilà, mais il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et donc, ça, on n'a jamais fait de réforme sans toucher de la durée de cotisation. Bah c'est soit le soit l'âge soit oui. le nombre de trimestres mais tout ça crée des des, des effets de bord si je puis dire euh, qu'il faut dont il faut discuter avec euh, avec les, les partenaires sociaux on n'a jamais fait de réforme des retraites dans notre pays même quand, quand la Sarkozy en a fait une en 2010 pendant la, la crise il y a eu une feuille de route qui a été connue Touraine, quand même, qui, a... qui a été connue dix mois dix mois avant non mais il y a toujours un, une, une, une une part de négociation. Ce sera assez incompréhensible que le président de la République, la semaine dernière, installe à grande peuple le CNR. Euh... National de la refondation en disant le président jupitérien s'est terminé, on va discuter de tout. Et trois jours après, euh, déjà tout oublié, ouais. il décide tiens, je vais faire passer ça subrepticement dans une loi de financement de la sécurité sociale en un article, et puis ça ira bien. Alors, je crois que les comptes sont à l'équilibre en fait pour les retraites pour 2021 et, et même assez largement excédentaire en fait pour 2022. Mais en effet, le conseil d'orientation prévoit que le système sera déficitaire dès 2023 et en moyenne sur les 25 prochaines années. Mais dans le même temps, euh, ce Conseil d'orientation de retraite souligne euh, que ces travaux, et je vais citer, ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée qu'une dynamique non contrôlée euh, des dépenses de retraite serait à l'œuvre. Euh, dans ce cas de figure, euh, d'où vient le problème Est-ce que ce n'est qu'un problème démographique finalement non, mais je ne suis pas un spécialiste absolu des, 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 des retraites. Mais ce qui est certain. Il faut bien admettre que la question est un peu technique. Ce qui, non, ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est juste, c'est qu'en réalité, la France a des déficits beaucoup plus importants. Euh, déficit de budget de l'État euh, chaque année on reprend 100 milliards donc ça ça dérange personne visiblement. Euh, M. Macron en parle beaucoup moins il, il, il s'apprête à nous présenter une loi de finance avec encore 115 milliards et il n'y a pas le moindre oui. déficit il n'y a pas le moindre effort visiblement d'économie ça dépend dépenses lui. Donc effectivement il faut on peut relativiser ce, 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 ce déficit qui était avant la crise Covid d'environ 6 milliards par an de, 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 de mémoire. Donc, c'est finalement assez relatif. Le, le vrai sujet, c'est que si on veut, aujourd'hui on a un problème quand même de, de niveau des pensions dans, dans, dans notre pays, et si on veut pouvoir améliorer ce niveau des pensions, il faut... Euh, il faut faire une réforme de retraite. Il y a pas une pression européenne aussi, une pression de la Commission européenne pour que cette non. réforme soit faite. Oui, il y a sans doute une, une pression, surtout des marchés financiers. D'ailleurs, hein. mm -hmm. la France est aujourd'hui dans une situation critique sur sa, sur sa dette, et il faut envoyer des signaux aux marchés financiers. Et la retraite et la réforme de la retraite est symboliquement, voilà, tout ça entre sans doute en, en jeu dans le calendrier du président de la République, qui se rend compte, je pense, quand même que la situation financière du pays est, euh, est inquiétante. Voilà, mais une fois encore. Ça me paraît quand même difficilement envisageable de faire une réforme des retraites sans un minimum de concertation avec les partenaires sociaux, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Est-ce il, il aura, quand même, est-ce que ce gouvernement aura. Euh, le soutien des, des, des républicains non, mais, a priori. Une fois encore, il sait, je ne peux pas donner la réponse avant qu'il ait commencé, avant même de connaître le, le projet du gouvernement. Je, oui, enfin, alors que, vous, de toute façon, à, vous dites qu'il faut travailler plus. Alors, alors qu'il qu en, on ne le connaît pas. Oui, mais une fois encore, il y a des façons et des façons de, 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 de faire les choses. Nous, on ne sera pas, on euh, ne sera pas, quelle que soit la, la manière. Je, la, la manière, elle, elle compte. Il oui. y aura un calendrier. C'est quoi vous Il y, y a un âge. Aujourd'hui, on est à 62 ans, mais il y a derrière l'âge qui est aujourd'hui à 67 ans, à partir duquel on peut toucher sa retraite à taux plein, euh, sans, ouais. euh, sans, sans, sans décote. Ce sera, même si on n'a pas les trimestres, pardon, ce sera quoi cet âge Il sera repoussé à combien À 69 ans 70 ans Enfin, vous voyez, c'est quand même des sujets extrêmement importants, donc on ne peut pas se prononcer non plus euh, sans que tout ça ait été discuté. Alors vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite, mais euh, il est de coutume de dire qu'une euh, une réforme des retraites, une réforme comme ça, se fait en début de quinquennat. Sinon on l'a vu, il n'a pas pu le faire euh, le, au, au précédent quinquennat. Il aurait euh... dû le faire au début du précédent quinquennat, bien sûr. C'est-à-dire que ça se fait à un moment où on, on bénéficie d'une confiance. Cette confiance, aujourd'hui, je pense que le président, malheureusement, n'a pas bien su la renouveler parce que l'élection présidentielle n'a pas été l'objet de sa part d'une campagne au cours de laquelle il a pu... Vraiment, expliquer son projet aux Français, où il a suscité, où il aurait suscité une adhésion. Il n'y a, a pas tout ça. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui part euh, en étant, je crois, assez faible. D'ailleurs, les élections initiatives qui ont suivi ont montré à quel point euh, il n'avait pas de, de, de majorité dans le, dans, le, dans, dans, dans le pays. Donc tout ça appelle quand même... Je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut prendre une éternité, mais je dis que euh, il faut à un moment que les orientations soient précisément posées sur la table et qu'il y ait un minimum de, 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 de concertation avec les partenaires sociaux. Euh, à propos de concertation, les républicains, comme d'ailleurs tous les autres groupes d'opposition, ont refusé de discuter euh, du projet de budget 2023, ce que Gabriel Attal avait proposé sous le nom d'entretien de, de Bercy. Euh, donc le 49-3 est sur la table, et c'est même aujourd'hui le scénario le plus probable pour faire euh, adopter ce texte. Est-ce que vous seriez prêt à vous associer à d'autres groupes d'opposition pour voter une motion de censure sur le budget, ce que nous avons dit au gouvernement, c'est qu'on voulait qu'il y, qu y ait un débat devant le Parlement. On regrette d'ailleurs le gouvernement a un peu escamoté en réalité le temps parlementaire. Il a, il a, il a retardé d'une semaine la présentation du budget. Donc les, les entretiens de Bercy étaient que une façon de communiquer autour d'une concertation. Mais la concertation, c'est au Parlement qu'elle doit se faire. Euh, or, ce temps a été, a, a mmh. a été renié. Le 49.3, il est prévu dans notre, dans notre Constitution dans les hypothèses où il n'y a pas de majorité, où le gouvernement a besoin de faire passer un texte. Bon, moi je prends acte de la situation politique, il n'y a pas de majorité, une majorité très relative, mais il n'y a pas non plus de majorité alternative euh, à celle, à, à celle d'Emmanuel Macron. Donc, s'il faut user du 49.3, ce n'est pas un problème insurmontable pour nous. Euh, simplement, on ne veut pas que ce soit le prétexte à l'absence de, 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 de débat. Donc, on a demandé au gouvernement ce, que le, ce qui est le cas échéant. Il engage deux fois sa responsabilité. Vous savez que la loi de finances, elle se discute en deux temps, une première partie, une deuxième partie, et qu'il y ait deux votes. Et peut-être qu'il engage deux fois sa, sa responsabilité. Après, là encore, on verra ce qu'il y a dans la discussion. Il faut qu'il y ait une discussion. Euh, il faut qu'on puisse mettre un certain nombre de, 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 de sujets sur la table. Vous euh... attendez quoi, vous, de ce, ce budget Vous demandez quoi Écoute, nous, on aurait, Écoutez, on aurait aimé qu'il y ait une inflexion. On ne peut pas avoir un président de la République qui nous explique que le temps des déficits insoutenables est terminé. C'était l'ouverture télévisée d'un conseil des ministres, grande première dans la 5 République. Euh, C'était ça le message principal. Un ministre de l'économie qui nous dit qu'on euh, est dans une situation où la cote d'alarme est atteinte et en même temps, ou code d'alerte, je ne sais plus, euh, et en même temps ne pas avoir la moindre traduction sur, sur le budget. Euh, on est un des pays qui a la dette la plus importante d'Europe, un des rares pays qui ne se soit pas en, désendetté pendant les, pendant les taux bas. Aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt crée... Vrai problème d'interrogation de, de, sur la solvabilité de la, de, de, de la, de la France. De, on emprunte à 2,4%, c'est 80 milliards de taux d'intérêt en plus euh, à terme. Euh, bon, il serait temps quand même qu'il y ait quelques inflexions dans la politique économique et financière du gouvernement. Or, on n'en voit pas la, la couleur pour l'instant. Premier point de désaccord assez majeur sur lequel. Euh, sur lequel nous débattrons pendant ce, ce, ce vote du budget. Autre sujet, Olivier Marlex, dont euh, Emmanuel Macron veut s'emparer, et autre sujet euh, extrêmement sensible s'il en est, celui de la fin de vie. Euh, le Comité national consultatif d'éthique, dans un avis rendu aujourd'hui, juge possible d'autoriser une aide active à mourir, euh, strictement encadrée. Une aide active à mourir, c'est ce que l'on appelle aussi le suicide assisté. Euh, c'est d'ailleurs ainsi, on l'a appris aujourd'hui par un étonnant hasard que le cinéaste... Jean-Luc Godard est mort. Euh, il n'était pas malade, mais épuisé, dit-on, peut-être à bout de souffle. Euh, Est-ce qu'il euh, faut aller dans cette direction Ce serait un, un changement de, 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 de perspective quand même euh, extrêmement important. Moi, ce que je, ce que je regrette sur, euh, sur ce débat, la façon dont, 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 dont il s'engage, c'est qu'on a voté. à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a, il y a, il y a cinq ans, un nouveau texte. Euh, c'était une révision d'un texte qui était de, une révision de, de, de 2005. de la, de loi, de la loi Leonetti, qui s'appelle oui. la loi Clès-Leonetti, oui. euh, euh, qui était une réponse euh, à l'engagement d'ailleurs pris par François Hollande dans l'élection présidentielle de, de progresser sur les sujets de, 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 de la fin de vie. Aujourd'hui, cette loi, elle va, elle, va, elle va beaucoup plus loin, elle va très loin dans la, la, la possibilité de. Soit de ne pas réanimer les gens s'ils ont euh, exprimé ce qu'on appelle des directives anticipées, euh, soit de, 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 de refuser, enfin euh, d'obtenir dans des conditions lorsqu'on lorsqu est face à une maladie euh, incurable et une perspective de, 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 de mort assez proche, euh, d'avoir une sédation euh... longue et prolongée. Quoi, tu... je, je connais plus la formule. Ouais. La, la formule. Donc on, on a déjà des, déjà eu des, des avancées il y a à peine cinq ans. Et surtout, surtout euh, l'ambition initiale de la première loi de l'Honnêtie, c'était de développer en France des soins palliatifs. Le, le sujet euh, principal, c'est que les gens ne veulent pas, euh, et c'est bien compréhensible, veulent euh, mourir dans la, dans la dignité, veulent pas de douleur pour ses proches. On va être sûr que, 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 que ce moment difficile pour tous se passe, euh, se, se, se passe au, au, de la façon la moins, la, la moins douloureuse possible à tous égards. Or, ces, ces, ces soins palliatifs, aujourd'hui, euh, ne sont pas au rendez-vous. Euh... Première loi, le NETI, doit dater de... Enfin, je plus la date exacte, mais enfin, on a un retard considérable. Mmh. Mmh. Faites le tour des hôpitaux, on vous dira que les moyens ne sont, ne sont pas là. Euh, il est censé y avoir dans chaque département des équipes de volantes de soins palliatifs. C'est une question de, de, de moyens ou de, de volonté, dans le fond c'est malheureusement sans doute, comme souvent à l'hôpital, une, une question de moyens. Euh, en tout cas, cette, cette culture des, des soins palliatifs, elle, elle ne s'est pas développée. Ces moyens des soins palliatifs ne sont pas là. Il n'y a pas eu forcément autant de formations que c'était prévu. Et donc. Moi, je trouve un peu regrettable qu'on euh, on, on, on soit déjà à l'étape d'après euh, en disant que la loi à d'ailleurs, est obsolète, mmh. euh, ouais. alors qu'elle n'a pas encore été mise en œuvre dans les faits. Voilà. Est-ce qu'on on voit qu'en Suisse et en, en Belgique, euh, certaines personnes y euh, vont, et ça a été souvent euh, médiatisé, pour euh, être euthanasiées parce qu'elles avaient soit une maladie incurable, euh, soit, enfin, pour diverses raisons. Est-ce que euh, nous, en France, on n'est pas un peu... Euh, Retardataire, est-ce que ça doit faire partie aussi d'une discussion à la fois philosophique et aussi de décider de sa mort C'est un changement de perspective considérable pour 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 l'humanité que nous sommes. Enfin. Décider, puisque là ce, ce qui serait nouveau, on ne sait pas d'ailleurs sur quel modèle on s'arrête, que le président de la République est assez insaisissable sur ce sujet avant le, les élections. Bon, enfin, il a dit que c'était un sujet compliqué. Il non, a... non, il dit, pardon, il a dit une chose et son contraire. Et, euh, juste avant l'élection présidentielle, il a dit, il a fait savoir que ce qui l'intéressait, c'était le modèle belge. Donc le modèle belge, c'est quoi C'est euh, l'euthanasie, le, le, euh, et notamment une euthanasie aussi de, 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 des mineurs, ce qui à titre personnel me pose un. un un vrai problème. Euh, et puis là, récemment, il a dit, je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'hier soir, euh, à la presse politique parlementaire qu'il invitait, que non, non, finalement, son modèle n'était pas le modèle belge. Voilà. Euh, et j'ai cru comprendre qu'en tout état de cause, il rejetait. Le, le, le modèle suisse que vous évoquez, qui est celle du suicide assisté. Mm. Donc, de quoi on parle au final Finalement, on en revient de plus en plus à quelque chose qui ressemble à la mise en œuvre de la loi klesnan oui, Mais, oui. mais Est-ce que c'est. Savoir que, ce qu'ils pensent dans le fond, pas très important. Est-ce que c'est un sujet qui doit être si, soumis, par euh, exemple, à un référendum On est sur des sujets extrêmement compliqués. N'allait quand même pas annoncer aux Français qu'on va faire un référendum alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Moi j'aurais aimé, c'est ce qui manque le plus. Non, mais l'idée qu'à la fin des discussions, puisqu'il annonce une convention citoyenne qui devrait durer six mois, est-ce qu'à la fin, une fois que les scientifiques, toutes sortes de personnalités auront discuté qu'il en sera sorti quelque chose Est-ce que ça, c'est une bonne idée de se mettre un référendum Ce sont des choix de société extrêmement importants. Le sujet, c'est est-ce qu'on considère. Je vous rappelle qu'on a, on a supprimé la peine de mort en 1980. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que, dans l'humanité, on accepte que des hommes ou des femmes et le veulent. Donnent, donnent la mort à d'autres hommes et femmes C'est de ça dont il, dont, le dont il s'agit. Moi, ce que j'aurais aimé, pour que ce, ce débat puisse avoir lieu de manière euh, la plus la fois rationnelle et, euh, et apaisée possible, c'est qu'on parte d'un constat, qu'on parte d'un état des lieux, qu'on ait déjà un, un bilan de la loi Kless-Lenetti. Et qu'on sache, au terme de ce bilan, combien... De situations, quel genre de situations euh, ne peuvent pas aujourd'hui être euh, prises en compte dans, dans notre pays Et qu'on voit au cas par cas, je dis, il y a eu une affaire, euh, c'est un cas célèbre, le, euh, le cas de, de, de Vincent Lambert, oui. euh, mais des situations comme Vincent Lambert, combien il y en a en France euh, chaque mmh. année Est-ce qu'on est est qu le sait euh, Moi je pense que voilà, la, la meilleure que... façon mmh. quand même de rentrer dans ce débat autrement que par. Des, 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 des positions éminemment respectables, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui, qui sont des. Mais il y a le lobby religieux aussi. Qui, qui, qui sont des. Il y a le lobby religieux. Le lobby religieux, en l'occurrence, c'est plutôt le, 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 lobby, le lobby rationaliste qui met le sujet sur la table. Euh, donc, oui, il y a des lobbies de, 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 de toutes sortes. Mais, euh, que, justement, la meilleure façon d'éviter ces, 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 peut-être ce jeu des lobbies, c'est de, 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 de documenter au maximum pour dépassionner ce, 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 ce sujet. Et on... Personne, évidemment, ne peut supporter euh, la question de, la, de, la, de voir ses proches, un euh, partir dans la, dans la, dans la souffrance. Mais en même temps, personne ne peut faire croire que la loi éliminera la, 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 vais, la mort ou la trivial, souffrance. De notre mais il y a la fin de vie et il y a la fin d'une émission. Et nous y sommes. Voilà.